They said it wasn't humanly possible. But now, you can have all the power and excitement of Nintendo right in the palm of your hand. Game Boy は海を越えた。対戦プレイに言葉はいらない。敵もぶっ飛ぶ面白さ。ゲームボーイとテトリス、好評発売中。Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une nouvelle émission aujourd'hui consacrée à un jeu légendaire, Tetris. On l'a tous eu sur Game Boy, enfin si vous étiez né à l'époque. Et je vous propose de revenir sur ce titre mythique à travers son grand créateur, le russe Alexey Pajitnov. Alors je ne sais pas si je prononce bien, vous m'excuserez si vous êtes russe. Mais bon voilà, désolé, je n'ai pas fait russe première langue. Et donc, écoutez, ce livre qui nous vient tout droit des éditions Pixel Love dans la catégorie les grands noms du jeu vidéo est livré dans un superbe coffret, comme vous pouvez le constater, avec à l'intérieur, bien évidemment, l'ouvrage de référence écrit par Daniel Ishbia, un Trivia Minos pour être incollable sur ce titre mythique et tout ce qui tourne autour de ce genre, et enfin, compris dans ce superbe coffret, le certificat d'authenticité. Alors, on regarde ça tout de suite sur Gunnet TV. On va donc parler aujourd'hui d'un grand nom du jeu vidéo. Ça tombe bien parce que c'est dans la collection Les grands noms du jeu vidéo aux éditions Pixel Love. Alors si vous avez lu le titre, vous savez de qui on va parler, d'Alexey Pajitnov, l'incroyable histoire du créateur de Tetris. Donc on retrouve à l'écriture un écrivain plutôt célèbre dans le milieu, hein, qui a son actif plus de 80 livres. Alors essentiellement dans le domaine musical, puisque c'est sa passion première, mais à côté de ça, on sait qu'il a fait de très beaux livres sur les jeux vidéo et l'informatique en général, par exemple sur les 4 vies de Steve Jobs, des livres aussi sur Bill Gates, aux éditions Pixel Love, on a également, je crois que c'est la 3e édition, la saga des jeux vidéo. Enfin voilà, donc d'un point de vue écriture, rassurez-vous, Daniel Ishbia maîtrise son sujet, en plus il a interviewé Alexey Pajitnov, mais également son compère Hank Rogers. Donc derrière, vous savez, c'est du tout bon, ça se lit très très bien, c'est passionnant, il sait un petit peu, je dirais, voilà, ménager le suspense, expliquer l'histoire et voilà, la rendre belle et en tout cas intéressante à lire. Parce que bon, l'histoire, on la connaît tous plus ou moins si vous êtes dans les jeux vidéo depuis pas mal d'années. Vous savez que tout a commencé à Moscou, dans un institut scientifique, et c'est là que ce génie des mathématiques, Alexey Pajitnov, a réalisé sur un ordinateur ce titre mythique qui deviendra l'icône de toute une génération, Tetris. Alors c'est un jeu qui va faire tourner la tête dans un premier temps moscovite, mais très très rapidement il va traverser les frontières pour se retrouver de l'autre côté de l'Atlantique, du Pacifique, ça dépend de quel côté on se met au niveau de la Russie. Nintendo va racheter les droits pour sa Game Boy et commercialiser le jeu. Et derrière, le jeu va se vendre par palette entière. Et derrière, des millions de dollars qui vont tomber non pas dans la poche de son concepteur, mais de l'État russe, de l'institut scientifique qui avait effectivement les droits sur ce titre. Alors ça, c'est le côté histoire un petit peu triste. Mais d'un autre côté, on sait que si Alexey Pajitnov n'a pas touché le moindre rouble, le moindre copec, le moindre sesterce, ni dollar sur ce titre, voilà, derrière, il y a quand même une belle aventure qui se poursuit aux États-Unis. Et cette partie-là est plutôt méconnue et elle mérite effectivement qu'on se focalise dessus. Alors, ce coffret en lui-même est très très beau, vous l'avez vu, il y a un étui du plus bel effet, à l'intérieur un certificat d'authenticité, et puis un petit trivia qui est joint à ce coffret pour compléter vos connaissances et vous amuser autour de ce titre.
En tout état de cause, bah écoutez, si cette histoire vous intéresse, bah je vous la conseille vivement, ça se lit très très bien, c'est plutôt agréable. Et en ce qui me concerne, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation et à très bientôt sur Gunnet TV.